as man realizes that he is an accident and his futility, that he's a completely really futile being, that he has to play out the game without reason. I think that even when Velázquez was painting, even when Rembrandt was painting, in a peculiar way, they were still, whatever their attitude to life was, they were still slightly conditioned by certain types of religious possibilities, which man now, you could say, has been completely cancelled out for him. Now, of course, man can only attempt to make something very, very positive by trying to beguile himself for a time by the way he behaves, by prolonging possibly his life, by buying a kind of immortality through the doctors. You see, painting has now become, or all art has now become, completely a game by which man distracts himself. What is fascinating, actually, is that it's going to become much more difficult for the artist because he must really deepen the game to be any good at all. Sur une sorte de canapé-fauteuil bleu à base pyramidale et à socle jaune clair. À droite, un homme nu assis sur un tabouret à socle circulaire plat. À gauche, un homme nu assis sur une cuvette de toilette, tournant le dos au spectateur. Trois panneaux peints à l'huile présentés sous plexiglas et cadre de bois clair. Ils ne portent ni date ni signature. Montrés dans diverses expositions à partir de 1964, ils sont achetés en 1969 par l'État français. Bacon fait enduire normalement ses toiles, mais il les fait retourner et clouer à l'envers. Il travaille sur ce verso rendu rigide et imperméable par l'enduit qui bouche les pores. Les traces d'un premier dessin léger au pinceau sont perceptibles. Les frontières entre plusieurs zones colorées sont formées par de minces bandes de toile laissées en réserve. De même, en plusieurs endroits, le peintre se sert de la toile nue comme valeur chromatique. Un espace circulaire à peu près régulier est défini par trois zones colorées. Un axe vertical central est suggéré par la pointe supérieure du canapé bleu et le mollet du personnage. Les deux personnages latéraux sont situés à la même distance du panneau central. Ils sont penchés et amorcent ainsi une sorte de courbe en ogive. Ces principes de symétrie simple se retrouvent dans un grand nombre d'autres tableaux, toiles uniques ou ensembles de plusieurs toiles. Bacon peint à l'huile. Il utilise aussi parfois le pastel. Il ne vernit pas ses tableaux, mais les présente sous vitre. Il commence par les personnages, souvent en jetant sur sa toile des pigments mêlés qu'il triture ensuite. Il utilise des pinceaux souples ou gros pour les détails, ce qui le force à travailler à l'aide de touches larges et en arabesque. Ou bien il passe des chiffons, des brosses dures, des éponges sur la peinture fraîche. Il obtient ainsi ces réseaux de traits parallèles ou ces frottis larges qui brouillent les traits des personnages, les tordent, les étirent. Un coup de chiffon a déclenché cette traînée d'une quinzaine de centimètres près du genou du personnage central. Tous ces procédés relèvent de ce que le peintre nommait son imagination technique. La gamme des couleurs des trois figures est riche.
Les carnations sont rendues par des mélanges de rose, de rouge, d'orangé, de bleu, de gris foncé. Quelques éclats viennent en contrepoint, blanc de la porcelaine à gauche, vert et orangé du siège à droite. Le bleu dense du fauteuil cerne la figure au centre. Les figures s'opposent vivement au fond, principe général chez Bacon. Les teintes des trois fonds proviennent du même pigment, terre d'ombre ou terre de sienne, d'abord pure, puis désaturée et très éclaircie. La partie supérieure est lisse. La partie centrale, sans doute traitée à l'aide d'un rouleau très pelucheux, a une texture faite de petites aspérités pointues, rugueuses, évoquant la terre ou une sorte de sombre tapis de cirque. Sa composition terminée, Bacon la modifie encore par l'adjonction de giclées épaisses de peinture blanche jetées au hasard sur la toile. Ces empattements de 8 à 15 cm de long affectent les membres des personnages. Dans d'autres tableaux, plus tard, ces giclées surgiront même dans l'espace vide, hors des figures. Au début des années 60, le peintre s'installe dans un appartement du quartier de South Kensington à Londres. Une pièce éclairée par un vasistas lui sert d'atelier. Chaque mur devient une épaisse et immense palette. Bacon laisse accumuler tout le matériel de sa peinture avec des piles de livres, des pages arrachées, des journaux découpés, des cartes postales, des photographies. Les images plongent dans l'état, émergent un jour, restent un temps épinglées au mur, liées ou non à une image mentale qui travaille le peintre à ce moment. Rêve, lecture, souvenir. Sur les murs aussi, parfois des images de ses propres tableaux, qui inspirent sans doute au peintre la reprise des mêmes thèmes ou des mêmes principes formels. L'atelier, dont le chaos contraste avec l'ordre rigoureux qui règne dans l'étoile de Bacon, a été ainsi, durant 32 ans, une sorte de machinerie à produire de nouvelles idées et de nouvelles images. Un tas de compost, selon les mots du peintre. Bacon admet sa fascination pour les images. Il déclare avoir tout regardé et tout digéré. Mais il n'a aucun respect pour la photographie en tant qu'art. La négligence avec laquelle il laisse les clichés s'empiler, tomber, être piétinés, est une sorte d'illustration de ce rejet. Le peintre prélève parfois des éléments insolites ou des postures. La silhouette du président Wilson sortant de la conférence de Versailles de 1919 et un meuble du bureau de Trotsky à Mexico sur un cliché de presse de 1940, juste après son assassinat. Ou bien Bacon emprunte diagrammes ou schémas à un traité sur les positions de la radiographie. Ou encore, il commande à des photographes des clichés de ses modèles qu'il préfère en général peindre en leur absence. Henrietta Moraes, une amie grâce à qui il réalise quelques nus féminins. Lucian Freud, petit-fils de Sigmund, est comme Bacon un peintre de renom. Freud, qui fut le meilleur ami de Bacon, a été le modèle d'un très grand nombre de tableaux. George Dyer, une sorte de mauvais garçon d'origine populaire. Bacon avait rencontré George en 1963. Modèle favori du peintre, il partagea en partie sa vie jusqu'à sa mort tragique en 1971. Francis Bacon aime les portraits d'identité obtenus dans les cabines automatiques. Il joue sur la possibilité de multiplier les poses,
de se déformer volontairement les traits, de multiplier les ombres. La plus puissante source d'idées pour Bacon fut l'œuvre d'Edward Muybridge, un des précurseurs du cinéma. Au cours de ses travaux sur la décomposition du mouvement de l'homme et des animaux, entre 1872 et 1887, Muybridge publia des centaines de planches de photographies. Bacon isole les personnages de leurs séquences temporelles, les détourne de leurs fonctions, les charge d'une autre énergie. D'après Muybridge, deux personnages. Étude du corps humain. Bacon reprend des effets de la photographie. Flou, anamorphose, distorsion, effet de bouger ou de filer, ou encore superposition accidentelle ou volontaire, comme l'avaient illustré les photographes futuristes. La plupart des grands tableaux de Bacon mesurent 1,98 m de haut sur 1,47 m, la dimension de toile la plus vaste pouvant passer par l'escalier de l'atelier. Conséquence principale, la proximité de l'espace restreint suggéré, sa faible profondeur, force le spectateur à être impliqué très fortement dans la scène qui lui est montrée. Les personnages grandeur nature sont comme des acteurs jouant devant de fausses perspectives. Portes, fenêtres, cadres, cages ou vitrines, espaces circulaires, estrades, meubles servant de socle et parfois même signes, flèches, cercles, pointillés dirigent le regard du spectateur vers l'unique préoccupation de Bacon, la figure. Figure, en anglais, c'est la personne, l'être, la forme humaine, le personnage, mais aussi l'image, la représentation, ou enfin la métaphore, la figure de rhétorique. Tous ces sens découlent de ceux du latin figura, qui désignait aussi des choses façonnées, par exemple en argile. En 1929, Bacon voit des tableaux de Picasso. Corps déformé, toute petite tête, importance des bouches et des dents, il décide de peindre. Plus tard, il détruira la plupart des toiles faites à cette époque. Lorsqu'il revient à la peinture en 1944, c'est avec une œuvre qu'il expose l'année suivante dans une galerie et qui horrifie tous les visiteurs. Trois études de personnages au pied d'une crucifixion reprend un thème à résonance religieuse. Le peintre s'inspire du retable d'Isenheim de Matthias Grunewald. La violence expressive de la passion est traduite à travers ces figures monstrueuses qui semblent exprimer surtout la haine, la voracité, le cauchemar. Peinture 1946 montre un personnage exhibant un rictus ambigu dans un décor qui associe des morceaux de viande, des tubulures métalliques, un parapluie et un bœuf ouvert pendu qui rappelle celui de Rembrandt. Une figure obsède longtemps Bacon, le pape Innocent X, peint par Velázquez à Rome en 1650. De 1949 à 1962, Bacon peint diverses variations autour du portrait. Le fauteuil doré enferme et isole le buste du pape, redoublant le rectangle vertical du tableau, et l'espace rouge unifié fait encore ressortir plus vivement la physionomie. C'est un dispositif scénographique semblable qui se retrouvera dans la plupart des tableaux de Bacon. Personnage isolé dans un espace vide, convulsion, miroir déformant, buste, membres et tête tordus, bouche révulsée, traits désaccordés à la limite de la dislocation. Ce que je veux faire, c'est déformer la chose et l'écarter de l'apparence, mais dans cette déformation, la ramener à un enregistrement de l'apparence.
Des séries de toiles plus petites que peint Bacon sont des visages, des portraits ou des autoportraits, eux aussi figurés grandeur nature. Déformés, certes, mais la ressemblance est toujours maintenue. I've always been very moved by and the movements of the mouth and the shape of the mouth and the teeth, and I like the, you may say, the glitter and color that comes from the mouth. And I've always hoped, in a sense, to be able to paint the mouth like Monet painted a sunset, but I've never succeeded in doing it. Lors d'un séjour dans la région de Chantilly, le peintre a été fasciné par la mère qui hurle dans Le Massacre des Innocents de Nicolas Poussin. D'autres bouches l'ont marqué, celle de la nourrice à l'œil crevé d'un coup de sabre dans la scène des escaliers d'Odessa du cuirassé Potemkin d'Eisenstein. En transposant le cri d'horreur de la nourrice d'Eisenstein sur le visage du pape serein de Velázquez, Bacon invente une dissonance plastique tout à fait nouvelle, comme un instant d'oubli qui viendrait secouer sa dignité. Le pape, ainsi féminisé, effrayé, redevient humain et en même temps fait peur à son tour. Je veux peindre le cri plutôt que l'horreur. Peindre le cri, c'est ne pas peindre l'horreur, c'est-à-dire le spectacle, la scène qui elle-même terrifie le personnage, mais rendre compte en image d'une force, d'une pure sensation, d'une lutte contre cette menace de mort. La métamorphose plastique des membres et des visages pourrait rappeler les masques africains qui avaient déjà marqué les peintres cubistes. Bacon ne montre pas les diverses facettes d'un corps, mais en même temps la surface, le volume et la chair ouverte. Le dehors et le dedans. Ces écorchés rappellent les grands anatomistes de l'âge classique qui, dans des postures paradoxales, vivantes, font voisiner l'enveloppe charnelle et les viscères. Bacon a dit être fasciné par l'étal des boucheries. La boucherie, l'abattoir, sont les dessous cachés mais nécessaires de la violence sociale. La chair ouverte, que ce soit celle des supplices ou celle des natures mortes, chair en branche, chardin ou soutine, est aussi pour les peintres un trouble et superbe assemblage de couleurs rares, et en même temps une vanité, une méditation sur la carcasse humaine. Cette approche anatomique des énigmes du corps résulte d'un amour profond pour la sculpture. Bacon imaginait passer un jour à la réalisation de grandes sculptures montées sur rails et pouvant coulisser. Mais le goût du peintre pour l'anatomie masculine a trouvé un précédent en Michel-Ange, à qui il emprunte un petit catalogue de gestes. D'abord, les jambes croisées, position qui revient de façon si répétitive qu'elle semble être à la base même de la dramaturgie secrète du peintre. Elles viennent de deux des figures allégoriques des tombeaux de Laurent et Julien de Médicis à Florence. De même, le coude levé au-dessus de la tête appartient à l'un des deux esclaves de Michel-Ange du musée du Louvre. Le buste de l'autre esclave du Louvre et ses muscles bandés sont inspirés du célèbre torse antique du musée du Belvédère au Vatican, peut-être un fragment d'un Hercule assis. Ce même torse musculeux, courbé vers l'avant, et qui fascina tant Michel-Ange, est repris tel quel au centre d'un autre ensemble de Bacon. Et il y a un souvenir du même torse chez l'homme assis sur la porcelaine blanche. Le rocher d'Hercule est devenu cuvette de toilette. Rodin s'est inspiré du même marbre antique. Et la caricature ou la gouaille populaire ont attribué au fameux penseur une toute autre occupation. La formule définit ironiquement l'objet comme un trône. Bacon est conscient de cette multiplicité de sens puisqu'il place dans la même position trop humaine l'un de ses papes, toute soutane relevée. Une autre figure du Belvédère eut une grande influence sur Michel-Ange. Le Laocoon, découvert en 1506, est acheté aussitôt par le pape Jules II. Cette expression de la douleur précédant la mort est cependant tempérée par la beauté des formes,
comme par l'expression tourmentée du mouvement, souleva l'enthousiasme et les commentaires de tous les artistes pendant des siècles. Cris, gestes, contorsions des membres, méandres, anneaux. Bacon a déclaré que l'idée des suites de trois tableaux lui avait été suggérée par le cinéma panoramique. Elle rappelle aussi les miroirs à trois faces, avec leurs reflets identiques et décalés. Mais ces ensembles de toiles s'inscrivent dans la continuité d'un art ancien. Tableaux religieux dont les deux panneaux latéraux se refermaient parfois pour venir recouvrir le panneau central, le triptyque a connu des formes très variables. Son rythme ternaire, sa symétrie, rappelle à la fois la Trinité et les trois croix de la crucifixion. Celle du Christ occupe d'ailleurs souvent le panneau central. Des témoins de la scène, des donateurs ou des saints protecteurs figurent sur les panneaux latéraux. Trois études pour une crucifixion, 1962. Un Christ déchiqueté, tête en bas, est inspiré par le crucifix de Cimabue que Bacon compare à une sorte de ver rampant. Au centre, un corps retourné et massacré sur un matelas. À gauche, deux personnages, témoins, voyeurs ou bourreaux. Crucifixion 1965. Encore un corps torturé, éventré, pendu par les pieds, et cette fois placé au centre. À gauche, un amas sanguinolent sur un matelas. Une femme nue observe la scène. À droite, deux témoins portant des panamas, et une sorte de bourreau musclé avec un brassard à croix gammée. Le triptyque implique des relations plus ou moins complexes entre les trois panneaux. Mais pour Bacon, ces rapports ne doivent pas induire une logique narrative immédiate. Ce que veut éliminer Bacon, en effet, c'est la narration, le drame. Deux figures sur une même toile raconteraient déjà une histoire. Il ne veut pas que l'histoire l'emporte sur le tableau. D'où cette accumulation de procédés pour éliminer l'intrigue, pour séparer les personnages sur des panneaux différents, pour réduire le décor, les images sont des sortes d'épiphanies, des instants privilégiés, ou une situation quotidienne, un rêve éveillé, un écho de langage se cristallise, se condense dans une figure. Un homme, le peintre, rentre chez lui à l'aube, ivre, et médite au bord du vomissement. D'autres fois, les corps en présence semblent appartenir à un univers de littérature d'épouvante, peuplé d'êtres évanescents ou malfaisants, en perpétuelle métamorphose. Ils coulent, se liquéfient, se dissolvent, sont en partie effacés ou carrément amputés. Parfois, nous sommes dans un monde de bourreaux avec tortures, blessures, arrachage de membres, dépouilles sanglantes, visages rongés. La référence à la viande, à la carcasse, à la charogne est constante. Et en effet, la peinture de Bacon est une réflexion sur l'incarnation, sur le sacrifice sanglant, sur la violence de la chair. Mais sans religion, sans transcendance, sans mysticisme. Et cette surenchère dans l'excès n'est pas dénuée d'une bonne dose d'humour noir. Mais chaque fois, il semble manquer ce qui donnerait un sens ultime, l'élément narratif. Et cette lacune désoriente le spectateur, l'introduit au cœur même d'un mythe énigmatique. Triptyque, inspiré par l'Orestie d'Eschyle, 1981. Dans l'Orestie, les vengeances familiales n'en finissent pas d'enchaîner les meurtres. Un fragment de corps mutilé sur une estrade aux multiples facettes. À droite, un autre corps sans tête devant une porte. À gauche, un monstre volant que Bacon identifie à une Érinie ou Euménide, l'une de ces divinités grecques que les Romains appelleront Furie, et qui était censée venger les meurtres ou les offenses commis à l'intérieur des familles. Le peintre les montre plusieurs fois dans diverses toiles. Encore la mythologie grecque avec une variation violente mais ironique sur Œdipe et le sphinx inspiré par Ingres. Triptyque, inspiré du poème de T.S. Eliot, Sweeney Agonist, 1967.
À gauche et à droite, des corps emmêlés sur des lits estrades. Au centre, les traces d'un crime atroce dans un compartiment de wagon-lit. Sur le panneau de droite, dans le miroir, une sorte de voyeur raconte peut-être la scène au téléphone. Le spectateur ne doit pas chercher à recomposer une histoire, mais vivre physiquement la scène. Le massacre des innocents, le portrait d'Innocent X, Bacon demande que le regard revienne au temps de l'innocence. Il tente d'inventer une peinture d'intensité violente, une peinture qui ne parle plus à la raison, mais directement au système nerveux. Trois personnages dans une pièce montrent un espace refermé, oppressant. Le monde s'est effacé, une ellipse de couleur terreuse forme une sorte d'orbite. C'est la piste d'un cirque, ou la courbe de la Terre, ou celle de l'univers, ou un cercle métaphysique. Dans ce pur espace mental, un homme de dos, immobile, un homme de face, criant peut-être, enfin un homme de profil et tordu. Trois figures sous le signe de la métamorphose, immobiles, mais parcourues de violents courants. Les corps sont marqués par les taches noires lépreuses qui rappellent la corruption de toute chair. Ils se fondent avec leur socle ridicule. Le buste devient de la porcelaine devient chair. Le siphon est comme le ver rampant évoqué par Bacon à propos de Cimabue ou comme un tentacule du monstre de Laocoon. Ce tuyau est peut-être le personnage définitif du triptyque. C'est une énorme pompe qui semble prête à vider les trois panneaux de leur substance et à évacuer l'homme et tous ceux qui l'entourent. Ce monde apparemment bien fermé, pur espace de contemplation plastique, fuit de façon irrémédiable. Trois personnages dans une pièce est l'un des triptyques les plus dépouillés de Bacon. Et en même temps la scène d'un bizarre drame abstrait. Pourtant les personnages ne sont pas des figurants anonymes. Dos large et musclé, épaules rondes, cou épais et cheveux lisses tirés en arrière, c'est George Dyer, tel que Bacon l'a montré des dizaines de fois. À droite, la grande mèche noire rebelle, le nez mince et aquilin, le visage maigre et l'orbite profonde de Lucian Freud. Le personnage couché au centre du triptyque, enfin, pourrait être Francis Bacon lui-même. Trois personnages dans une pièce est donc une sorte d'ex-voto, de conjuration de la mort, de lutte contre la destruction définitive d'une constellation d'amitié idéale à un moment donné de l'histoire. Le triptyque, 7 ans après sa genèse, devait trouver une étrange conclusion, comme tirée d'un roman fantastique. En octobre 1971 s'ouvrait au Grand Palais, à Paris, une importante exposition rétrospective de Francis Bacon. Depuis plusieurs années, les rapports entre Bacon et Dyer étaient très orageux. Le peintre avait tenu, malgré tout, à emmener son ami à Paris. L'avant-veille du vernissage, le corps de George Dyer était découvert dans la salle de bain de leur chambre d'hôtel parisien. George avait peut-être mélangé des somnifères et une énorme quantité d'alcool. Il avait vomi du sang. Il était mort recroquevillé sur le siège des toilettes. La plupart des amis de Bacon pensèrent qu'il s'agissait d'un suicide. Triptyque à la mémoire de George Dyer, 1971, peint aussitôt après le drame, remet en scène George au moment où il ouvre la porte de leur chambre d'hôtel. Triptyque où 1972, année suivante, évoque aussi George, écho d'une photographie prise dans l'atelier. Le panneau central reprend un lutteur de Moy Bridge. L'ombre répétée de Dyer forme comme autant de flaques où semble se vider sa substance de couleur chair. Triptyque mai-juin 1973 illustre plus directement encore le drame. À droite, George penché sur un lavabo et vomissant. Au centre, il est comme écrasé de douleur, à demi noyé par une ombre noire à forme animale, encore une érinie, qui s'apprête à le dévorer. À gauche, le cadavre sur son siège dérisoire. George Dyer, dans son horrible agonie, avait peut-être choisi cette pose emblématique dans laquelle le peintre l'avait déjà immortalisé, transformant le triptyque de 1964 en rêve prémonitoire. Ce suicide, qui ressemblait à un tableau de Bacon, était sans doute
l'ultime révolte de la créature contre son créateur. Le point obscur où se rejoignaient l'histoire personnelle du peintre et les mythes sanglants qui l'avaient toujours hanté.